Bonjour. Dans ces élections législatives, je reprends le programme que Nathalie Arthaud a défendu dans les élections présidentielles. Comme elle, je suis révolté par cette société. Et comme elle, je pense qu'il faut la renverser. En avril dernier, à Dardres, près d'Aumenas, des jeunes Africains qui étudiaient en Ukraine n'ont pas subi le même traitement que les réfugiés ukrainiens. La préfecture leur a vite dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'il fallait qu'ils partent. C'est écœurant. Tous les réfugiés se valent. Quelles que soient leurs origines, ils sont tous les bienvenus. Les idées d'extrême droite sont bien présentes dans l'appareil de l'État. Et ce n'est pas étonnant. Les hauts responsables de l'État, les hauts fonctionnaires, les cadres de l'armée, les cadres de la police, ils protègent cette société inhumaine. Avec eux, les Pinot, les Bolloré, les Bouygues, les Peugeot et autres Dassault peuvent exploiter les travailleurs, s'enrichir sans limite, vendre des armes, spéculer, polluer et mener cette société à la catastrophe. Voilà pourquoi il n'est pas possible de changer cette société par en haut. Et c'est le principal désaccord que nous avons avec tous ces politiciens de gauche qui veulent gérer le capitalisme. La seule chose qui pourrait changer la société, c'est une révolte ouvrière, une révolte de tous les travailleurs. En votant pour ma candidature, c'est ce que vous affirmerez.